Expérience numéro 012. Expliquer ce qu'est une explication. Alors Alexandre va nous expliquer tout de suite qu'est-ce qu'une explication. Alors une explication, c'est le fait d'éclaircir un point de vue sur quelque chose. Les détails peut-être. Ah. Expliquer quelque chose, c'est faire comprendre à son interlocuteur ce qu'est la chose, ses tenants, ses aboutissants, son but. En fait, le vortex, c'est un mot qu'on a commencé à utiliser avec Jacques. C'était plus une blague, en fait, au début. Tu vois, quand on voyait un camion sur un camion ou quelqu'un qui nettoyait son aspirateur, on trouvait ça super drôle, on appelait ça des vortex. Je ne sais pas à quel moment le sens figuré du mot vortex est venu s'approcher au plus proche de l'intuition qu'on avait du phénomène. Mais je sais qu'à l'époque, Guin ne parlait pas de mot vortex. Mais lui, en tout cas, il parlait de l'idée de percer des perceuses, meuler des meuleuses. Il l'appliquait sur les outils qu'il utilisait dans la vie de tous les jours. Donc il s'est dit, pourquoi ne pas utiliser un outil contre lui-même, sur lui-même. L'idée, c'était donc de le faire de manière scientifique, quoi. Du coup, on a amené des expériences là, pendant une petite semaine. Où on a essayé de recréer des vortex. Donc, expérience numéro 001, balayer des balayettes. Donc, il s'agit de balayer donc des balayettes. Suivre l'expérience, Alexandre, vous pouvez te proposer de les peler avec de cette pelle, je te donne ça. Voilà, et ça en guise de poubelle, on peut mettre ça là. Voilà, je te laisse agir. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que Alexandre a donc utilisé une pelle pour pelleter des balayettes. On pourrait refaire l'expérience, mais en remplaçant les balayettes par des pelles. Je sais pas ce que t'en penses, Alexandre. Oui, très bien. On pourrait faire ça. C'est parti. Bon, c'est fini ? C'est bon. Est-ce qu'on va juste finir le rapport ? Au moment où on met des blouses et on parle bien et on essaye de pas rigoler, c'est pas parce qu'on joue un rôle, c'est parce que c'est important dans la démarche qu'on soit sérieux et qu'on se marre pas, et qu'on change volontairement d'habit pour rentrer dans cette démarche scientifique. Nous, on prend le sens du mot vortex comme une dynamique dont la conséquence est à la fois la cause, tu vois. C'est un peu le schéma du Larsen. Le schéma du Larsen est important parce que tout le monde le connaît. Tout le monde sait qu'il y a un Larsen. C'est provoqué par le fait qu'un micro repique le son qui est émis par l'enceinte sur laquelle il est branché. Ça crée une boucle. Donc c'est auto-alimenté. Et donc, il y a quelque chose à trouver là-dessus. Parce que c'est le schéma même du mental, c'est le schéma d'énormément de choses. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de pousser la réflexion sur quels sont les tenants et les aboutissants de ce phénomène et en quoi le fait de savoir tout ça, ça peut nous amener à parfois mieux se connaître nous-mêmes, mieux connaître les autres. Tu vois. En utilisant en fait des trucs de la vie de tous les jours, on essaye de mettre en avant des absurdités et des boucles et des cycles
absurde, genre qui existe dans la vie de tous les jours. C'est au moment où on va calquer le schéma du vortex sur tel ou tel objet, tel ou tel projet, ou tel concept. C'est à ce moment-là qu'on peut en apprendre plus sur l'utilité de l'objet, du concept, ou de ce truc-là. C'est très ressemblant. Hein. Alexandre avait dessiné un stylo, et donc je me suis lancé dans un commentaire de son stylo. De son stylo dessiné. Hein. Et donc c'est vrai que c'était très judicieux d'utiliser les couleurs du stylo même pour dessiner le stylo même. Et à ce moment-là, lui donc a commenté mon commentaire. C'était la première fois qu'on faisait un vortex à tiroir comme ça. Ce commentaire était vraiment sympathique, étant donné que j'ai pas si bien réussi que ça l'expérience, mais t'as vraiment mis le doigt sur les points positifs de mon dessin. Je trouvais que son commentaire était un petit peu hésitant, mais néanmoins assez sincère. Mixer un mixeur, c'était une des plus évidentes, en fait. Dès qu'on parle de meuler une meuleuse, de percer une perceuse, ou lécher une langue, ça vient assez vite, l'idée de mixer un mixeur dans l'esprit de tout le monde. C'était marrant, tu vois, c'était drôle. Ça détend aussi dans une journée où tu fais 12 expériences d'affilée, mixer un mixeur, c'est vrai que c'était un peu la récré, quoi. Hop là. Alors, le moment où on a percé la perceuse, c'était un grand moment. Parce qu'après avoir percé un ou deux trous, Alexandre a littéralement créé un vortex dans la nappe. Donc, en fait, Alexandre était en train de percer la perceuse lorsque soudainement donc, le drap s'est pris dans le forêt de la perceuse et après avoir continué à tourner pendant quelques secondes, eh bien il y a eu l'apparition de ce vortex. Ouais, il y a ce truc avec le drap là, on a scotché dessus, on a un peu halluciné, c'était joli, mais voilà, enfin pour moi c'était pas si important en fait, cette espèce de formation de tissu. Ce qui est important, c'est pas la conclusion de l'expérience. C'est pas l'hypothèse qu'il y a avant l'expérience. Ce qui est important, c'est l'expérience de l'expérience. Il y a certains vortex, c'est plus des moments de grâce que des vortex, tu vois. C'est plus comme quand tu défenestres une fenêtre, tu vois. Expérience numéro 18, défenestrer une fenêtre. Alexandre, tu peux y aller. La formation de micro-bouts de verre. Je me demande combien il y a de bouts de verre là, il devrait y en avoir au moins 3000. Hein. T'as vu, on dirait qu'elle fait un regard triste. Il y a des expériences, au moment où on les a faites, waouh, je suis rentré dans un moment de présent où je me suis dit waouh, là on est en train de faire ça. Dans le schéma de ce que ça représente, je trouve ça énorme. J'avais l'impression d'être au cœur de ce qu'on fait tous les jours. Il y a deux énergies, et ces deux énergies-là, il faut réussir à les coller ensemble de façon à ce que ce soit le plus propre possible. C'est ce qu'on fait dans tout, c'est la relation entre le fond et la forme. Quand tu fais un dossier, t'as le fond, tu dois rédiger ton truc, et puis t'as la forme. Tu fais en sorte que le fond et la forme s'embrassent le mieux possible, c'est ce qu'on appelle le design. J'ai vraiment senti que au moment où on cherchait à trouver l'équilibre entre les deux scotchs, un réel échange. Pour avoir conscience de ça, on est obligé d'adopter une posture à double degré, donc de mise en abîme. Et à partir de là, nous, notre travail, il est fait. Tu vois qu'elle va faire pipi, là, ou pas? Elle veut pas. Bah, vas-y, on va dans le parc. Hein. J'ai pas peur qu'on se moque. J'en ai un peu rien à foutre. Un des avantages que je peux avoir
lorsque j'étudie le vortex, c'est que je me rends compte que le sentiment de peur en est un, donc je l'identifie. Donc au lieu de rentrer dedans, je l'observe. Tu peux rentrer dans les mauvais vortex sans t'en rendre compte. C'est le cas avec la drogue, plus t'en prends, plus tu veux en prendre, plus tu veux en prendre, plus t'en prends. C'est le cas, quand je dis de la drogue, je pourrais parler de consommation en règle générale, c'est le fonctionnement du désir, c'est un vortex aussi. J'ai l'impression de rentrer dans un vortex, dans le sens où le vortex, ça peut aussi être une situation globale, tu vois, en soi. Ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est que l'argent lui-même, en tant qu'instrument de valeur, prend de la valeur. Le système financier mondial, aujourd'hui, est sujet au vortex. Oui, on se prend au sérieux. Nous, on y croit. On croit qu'il y a, on croit que le vortex, ça existe. Et ça existe dans la vie de tous les jours, en fait. Genre comme l'omelette au poulet, tu vois. Tout le monde n'a pas forcément les différents degrés de... différents niveaux de lecture pour pouvoir capter l'essence du message. Les expériences qu'on fait, c'est comme si c'était une simple métaphore par rapport à des choses qui se trouvent à l'intérieur de soi. Expérience numéro 016. Laver un savon à l'aide d'un autre savon. Nous avons ici deux savons. Un savon qui a été sali préalablement. Et ici, nous avons un savon et une éponge, dans le cas où Alexandre aurait besoin de frotter le premier savon. Alexandre, tu peux y aller. Je pensais qu'on allait utiliser un savon pour en laver un autre. Je me suis rendu compte qu'en fait, le savon qu'on était en train de laver a servi pour se laver lui-même. Le savon sale a été plus consommé ou utilisé par l'expérience que le savon propre. Alors que je pensais que ça allait être le savon propre qui allait réduire au moment de laver le savon sale. Et au final, le savon propre en est sorti un tout petit peu sale. Donc là, il y avait une interaction, un peu comme lorsque quelqu'un guérit quelqu'un d'autre. La personne, en fait, qui se fait guérir, en réalité, c'est elle qui se guérit elle-même. Et la personne qui guérit en ressort un tout petit peu affaiblie. Tu vois, t'as un ami qui va pas très bien, ou t'as quelqu'un qui est un peu venimeux, et tu vas essayer de l'aider. Au final, tu vas pas l'aider, mais tu vas l'aider à s'aider lui-même, parce que tu peux pas guérir quelqu'un, tu peux pas prendre les décisions à sa place, tu peux pas modéliser son cerveau, tu peux pas... Et donc, tu peux l'accompagner pour que lui-même se guérisse. Et après, en sortant, il faut se laver soi-même, quoi. Parce qu'il y a quelque chose où, pour l'aider, t'as dû rentrer dans sa logique. Or, sa logique, c'est la logique qu'il a amenée à l'endroit duquel il veut sortir. Il y a un autre truc aussi, c'est que toutes les expériences, on les fait sérieusement. C'est-à-dire quand on jette une poubelle, on fait pas juste le mouvement de jeter une poubelle. Et après, c'est bon, la poubelle est dans la poubelle, je la récupère, machin. Non, on l'a jetée. Expérience numéro 022, jeter une poubelle à la poubelle. Alexandre, tu peux y aller. Fin de l'expérience. Les gens qui pensent que c'est juste un gag, c'est que eux, justement, ils ont rien compris à cette définition du vortex, tu vois. L'esprit est incapable, parfois, de faire cohabiter différentes émotions ou différents, je sais pas, sentiments, différents concepts au sein d'un même instant. Expérience numéro 013, passer un tube dans un tube. J'y vais. Parti. Donc effectivement, il y a des gens qui vont se dire « Bon alors, est-ce que je rigole ou est-ce que je trouve ça sérieux ?» Bah c'est pas, ça doit pas être très agréable pour eux, parce que c'est, du coup c'est clivant, quoi. Mais c'est pas l'objet de mes recherches. J'y vais. Petite seconde. Tu peux y aller. On singe un peu la démarche scientifique pour essayer, comme les scientifiques, de trouver des définitions et d'arrêter, en fait, la définition, de trouver la solution au vortex. C'est une invitation, justement, à la subtilité d'analyse. Alexandre va donc envoyer un timbre à la poste. Je pense que c'était important de le faire. Et comme ça, il y a plein de gens qui n'auront plus besoin de le faire. Donc on a essayé d'hydrater de l'eau, en quelque sorte. Sauf que l'eau est déjà hydratée. Et l'eau s'hydrate elle-même. Donc c'était un vortex de type...
Je sais pas comment dire. Il faudra trouver un mot, on n'a pas... Il faut que je note ça. Trouver un mot. Ce que tu vois pas forcément tout le temps, c'est que derrière les expériences, en fait, tu vois, on remplit des feuilles avec des observations vraiment hyper précises et tout. On va publier nos rapports de recherche sous forme d'un classeur très simple. Les gens pourront obtenir. Et ça dépend des, si on arrive à obtenir la subvention. Le CNRV, c'est quelque chose qui est pas situé. Enfin, qui n'est pas géolocalisé, quoi, parce que c'est quelque chose qui existera, mais qui existe partout, en fait. Ça peut être chez toi ou chez moi, le Centre National de Recherche du Vortex. Le Centre National de Recherche du Vortex est-il un vortex ? C'est la question. Effectivement, plus on fait d'expériences, plus on a envie d'en faire. Là, on a décidé d'utiliser la méthode où on faisait un maximum d'expériences, et on s'est dit qu'au bout d'une trentaine d'expériences, on allait forcément... Enfin, quelque chose allait ressortir, quoi. On est lundi 17 avril 2017, les premiers stagiaires du centre sont arrivés. On a donc passé la journée à faire un grand brainstorming et une installation du bureau qu'il fallait élargir. Et donc on a maintenant une semaine pour réaliser les expériences dont on a eu l'idée aujourd'hui. Donc il y a une équipe qui est partie faire des courses, et puis une autre équipe qui est là sur Internet en train de voir pour acheter le reste du matériel. On a des stagiaires qui sont venus, qui étaient en études de philosophie, en études d'ingénierie. Ils ont pu nous apporter des compétences que nous, on n'avait pas. Tu perces la perceuse, et quel est l'effet de la perceuse percée sur la perceuse qui a percé? D'accord. Tu vois? Et du coup, si tu te rends compte que c'est pas la même chose, bah, tu tomberais sur un truc non nul, finalement. Okay. Donc il y aurait, entre guillemets, bah, ça serait juste non nul, bref, à voir. Et par exemple, quand tu scotchais du scotch, et qu'ils étaient tous les deux scotchés, finalement, ils avaient eu le même effet l'un sur l'autre, donc tu tomberais sur un truc nul. On a commencé notre stage au CNRV hier, et une de nos premières missions, dans l'optique du Vortex toujours, c'est de trouver nous-mêmes les prochains stagiaires. Voilà, donc là on a une liste de contacts qui nous ont envoyé un mail pour du coup participer à cette expérience. Et on va donc maintenant les contacter par Skype pour leur faire un petit entretien et voir ce qu'ils attendent de cette semaine. Actuellement, je fais un stage de journalisme. Et dans le cadre de ce premier stage, je fais un stage au sein du Centre National de Recherche du Vortex. Et à la fin, je ferai un article pour mon premier stage. Donc là, on a un Vortex qui est faire un stage dans un stage. Et les conclusions viendront par la suite. Là, je remplis un rapport concernant ce stage. Donc il y a deux règles au Centre National de Recherche du Vortex. La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et la deuxième règle, c'est qu'il y a deux exceptions à cette première règle. Imagine que tu sois sélectionné et que tu viennes ici du coup pour le stage. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer ? Ça, c'est un interrupteur qui permet d'interrompre les interrupteurs. Ouais, c'est ça, c'est bien. Donc là, voilà, hop, j'interromps l'interrupteur. Hop, ça ne sert plus à rien. Donc voici le moule final. D'une moule moulée dans un moule. 80% des expériences qu'on a menées sont des idées qui viennent d'ailleurs, quoi. Enfin d'autres gens, qui viennent pas de Jacques ou de moi, mais qui viennent d'autres gens. Et on est très contents d'ailleurs, parce que nous on pense que le Centre National de Recherche du Vortex, il n'a pas vraiment de limite, il n'a pas vraiment de mur, et que justement si n'importe qui se sent de trouver des expériences ou de les tourner, ou de nous les proposer, ou de nous les soumettre, on est très contents, quoi. C'est la première fois qu'on reçoit des expériences de chercheurs indépendants. Il s'agit d'Arnaud, qui a déposé sa candidature pour venir rejoindre le centre la semaine dernière et qui ne pouvait pas se rendre à Paris avant jeudi, donc avant demain. Et il a commencé la recherche avec trois expériences filmées, émietter du pain, porter une porte et la troisième, je ne sais plus ce que c'est. Ça va être dans les rapports. On m'a envoyé les rapports complétés. Il y en a qui tombent sous le sens, quoi. Enfin, changer la police de police, je trouvais ça tellement super et tellement simple. Enfin, tu vois, il y en a, c'est 3 secondes sur Photoshop et un truc super. Donc les deuxième génération de stagiaires vient d'arriver, là. On a fait un premier brief, on a mis en place le vortex hiérarchique. Donc Alexandre et moi allons obéir aux nouveaux stagiaires. Les nouveaux stagiaires vont obéir aux anciens stagiaires. Et les anciens stagiaires vont continuer de nous obéir, donc ça va donner une espèce de boucle de hiérarchie
d'ajustement mutuel et spontané. Donc ça commence. Refenestrer une fenêtre défenestrée, mouler un moule, puis mouler un moule à coquille moule, peser des balances, faire un panneau, attention, panneau. Le gâteau de gâteau, c'est, je pense, facile. Faire un gâteau de gâteau, comment vous voulez faire ça? Bah, tu prends des gâteaux, des princes, des machins. Ouais, à l'intérieur, tu fais un gâteau. Et tu redonnes la forme de ton gâteau à partir de gâteau avec la tête du gâteau de base. Ok, je suis pour faire ça. Du gâteau et un gâteau. Non, en gros, le concept, c'est que là, du coup, c'est une porte dans une porte, du coup, celle-ci, dans laquelle on a pratiqué une autre porte. Je peux rentrer sans rentrer dans la pièce, tu vois. Cet outil, c'est un outil qui représente beaucoup pour moi. Et ce que je trouve exceptionnel, du coup, c'est d'avoir pu enfoncer, retourner cet outil contre lui-même, l'enfoncer à l'aide d'un autre marteau dans du bois. Ouais, c'était, pour moi, c'était super, c'était un rêve de gosse. Expérience numéro 026. Refenestrer une fenêtre défenestrée. Alexandre, tu peux y aller? Cassé. Maintenant que Alexandre a défenestré la fenêtre, nous allons donc utiliser l'invention de Valentin pour refenestrer la fenêtre. Donc c'est parti, vous pouvez aller à nous. L'expérience, c'était pas d'essayer de refenestrer la fenêtre, c'était de refenestrer la fenêtre. Nous, on attend toujours l'illumination, le jour où, bam, il y a un vortex qui va se créer pour de vrai. Moi, j'aimerais bien qu'on soit assez nombreux pour pouvoir faire des expériences sociologiques au sein du groupe. Tu vois, qu'on puisse carrément toucher plus à l'humain, en fait. Expérience numéro 70, faire un reportage sur des reporters. Donc, Maxime Gonnet, ici présent, va faire un reportage sur l'équipe de reporters ici présente, composée donc d'Antoine Devaune et de son chef opérateur. L'expérience peut désormais commencer. Action Antoine, et vas-y, c'est Téléachat. Vous avez-vous déjà demandé combien pouvait peser une balance? Vous avez-vous déjà demandé combien pesait 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 une balance? Action Antoine. Vous êtes-vous déjà demandé combien pesait une balance? Certainement pas, vu qu'a priori, tout le monde s'en fout, sauf ici, au Centre National de Recherche du Vortex, où on prend ce genre de questions très au sérieux. Alors là, tu vois, ces 5 balances pèsent l'équivalent de 2 grosses balances. Et le tout pèse 12 kilos. Alors? Il y a un des gars qu'on a eu sur rendez-vous Skype qui nous a dit, tiens, est-ce qu'on pourrait laver une laverie? Tu vois, on trouve ça super, parce qu'en plus, c'est un vortex, ça nous fait sortir du laboratoire. Et c'est bien, parce qu'après une semaine enfermée dans un labo sans fenêtre à faire des expériences, on est très content de pouvoir le faire. Action. Expérience numéro 30, laver une laverie. À l'aide de produits d'entretien et de stagiaires, Antoine va laver une laverie. C'est parti, tu peux y aller. Tu peux laver le sol, Antoine. On va encore voir. Le sol est quasiment plus sale qu'avant. Non, ben voilà. Du coup, faut continuer de le laver. Hein. On va faire le serrer des pieds.
dirait que tu peux nettoyer comme ça sans fin. Hein. On est en plein cœur du vortex, en train de à la fois laver une laverie et à la fois faire un reportage sur des reporters qui font un reportage sur le lavage de la laverie. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de suivre parce qu'il y a beaucoup de choses qui se trament au même moment. Il aurait fallu peut-être qu'on soit plusieurs à constater. Parce qu'il y a énormément de constats à la suite. Là, il se passe plein de micros événements. Donc d'un côté, on lave un mur, de l'autre côté, on lave un tambour de machine à laver. Ça nous amène à nous poser la question, est-ce qu'un tambour de machine à laver peut-il potentiellement être sale? Le sol, au moment où il est en train d'être lavé, c'est comme s'il rentrait dans un état de fébrilité. Il pouvait se salir beaucoup plus facilement que lorsqu'il n'est pas en train de se faire laver. C'est comme s'il rentrait dans une zone de susceptibilité à la saleté qui est propre à l'instant de son lavage. Recule-toi. Ok, je pense que c'est propre. Eh bien, écoute, fin de l'expérience. À chaque fois que t'embrasses une douche. C'est un lieu où tu passes ton temps à laver des choses, et nous, on vient pour le laver. Tu vois, et en plus, ça rend service. 12, 13, 14, 15. Donc, on a une boîte qui contient une intention. C'est juste un prétexte à offrir un cadeau. Et donc là, on emballe et en fait, plus je mets un emballage, plus ça rajoute un degré de vortex. À l'intérieur de la boîte, du coup, j'ai juste placé un rapport de recherche pré-rempli et il sera complété et à retourner au centre par mail. Quand on peint un pinceau sur un pinceau, on peut dire à l'avance, avant même que l'expérience ait lieu, on peut dire à la fin de cette expérience, il va y avoir un pinceau dessiné sur le pinceau. On peut aussi dire l'expérience va se dérouler, la gravité va continuer, la lumière va éclairer le pinceau, on peut dire tout un tas de réalités. Et effectivement, tout ça va être vrai parce que la vie est plutôt fiable jusqu'ici. Donc il y a tout un tas de lois physiques qui font qu'on peut être sûr, à 99%, de comment l'expérience va se dérouler. Seulement, au moment où l'expérience se déroule, il se passe tout un tas de détails autres, que ce soit sur le plan physique, et aussi sur le plan spirituel, il se passe tout un tas de choses. Et c'est ces choses-là qui m'intéressent, moi, de prendre en compte et de constater. Et c'est ça qui m'intéresse parce que j'en découvre beaucoup sur la nature des choses. J'ai appris qu'il y avait des vortex partout, tous les jours, et que on peut, si on fait attention, en regardant dans le spécifique, dans la particularité, on peut trouver des vortex. Chacun peut trouver des vortex, en fait. C'est vrai que c'est un truc qui nous fait un peu penser toujours aux petites choses et de se poser des questions dessus et de pas juste se dire « Ok, là, je fais un truc, mais est-ce que cette chose-là se retourne pas contre elle-même ?» Bonjour, quel est votre nom ? Oui, bonjour. Je cherche le numéro d'un annuaire téléphonique, s'il vous plaît. Alors, du coup, moi, je me suis occupé de l'expérience 66, qui consistait à gommer une gomme avec une gomme. On s'est déjà rendu compte que la gomme gommée n'est pas la gomme la plus gommée et que c'est la gomme gommante qui se gomme le plus facilement. De temps en temps, on va nous-mêmes rigoler un peu. On va nous-mêmes essayer de rendre la chose un peu plus joyeuse, un peu plus drôle. Et ça, c'est une raison simple. C'est que du coup, vous êtes en train de regarder cette vidéo, en fait. Et parce que c'est drôle. Et du coup, nous, on peut vous parler du vortex. Ce projet, c'était à la fois la dimension artistique, philosophique et humoristique, en fait. C'est un mélange de ces trois choses que je trouve vraiment sympa. Et donc, c'était pour moi l'occasion de venir expérimenter tout ça, voir comment ça se passait vraiment. Et j'ai retrouvé vraiment ces trois composantes qui me plaisaient beaucoup dans ce stage. J'ai appris à être plus attentive au vortex qui nous entoure. Je pense qu'on partira un peu tous de cette expérience avec le cerveau qui carbure là-dessus. Ils sont bien attachés. Je suis pas forcément convaincu de tout ce que je dis, mais je pense que je vais y réfléchir et en voyant peut-être cette interview plus tard, je penserai totalement différemment, mais voilà. Est-ce que l'amour est un vortex ? Est-ce que faire un enfant, c'est un vortex ? Un humain qui crée un autre humain, est-ce que c'est un vortex ? Est-ce que toucher quelqu'un, est-ce que c'est un vortex ? Les expériences qu'on fait en labo sont aussi des analogies de la vie de tous les jours, donc ça nous touche aussi personnellement. Il y a des gens qui sont dans des vortex de tristesse ou de joie ou de peur ou de dépression nerveuse. Ça, c'est des vortex. Toutes ces questions-là m'ont amené à me poser la question : quelle est l'utilité de l'homme ? Parce que bon, si je veux faire un vortex
avec une paire de ciseaux et qu'il suffit de couper une paire de ciseaux avec une autre paire de ciseaux, eh ben, si c'est facile, c'est parce que je sais que mes ciseaux, ça sert à couper, quoi. Tu vois. Mais quand on me demande de faire un vortex avec un humain, alors là, bonne chance pour savoir à quoi sert l'humain. Si l'humanité est un fluide, c'est possible. Et c'est imagé, mais l'humanité peut être considérée comme un fluide, vu que ça évolue comme un fleuve. On peut calculer la vorticité d'un fluide quand il tourbillonne. Alors, techniquement, si on adapte ça à l'humanité, on pourra calculer la vorticité de l'humanité. Ça fait longtemps maintenant que je suis à la recherche du vortex. Non, mais tu vois ce que je veux dire, l'humanité, ça évolue dans le temps, ça continue exactement comme un liquide qui va prendre différentes directions en fonction des aspérités de la surface sur laquelle il coule. L'humanité, c'est pareil. Est-ce qu'on peut calculer la vorticité de l'humanité? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on n'a juste pas les données. Le principe, c'est de regarder un miroir à travers un miroir sans teint. Et du coup, ce que tu vois dans le miroir que tu regardes, eh ben, c'est un autre miroir. Et du coup, c'est un miroir qui se reflète lui-même à l'infini. Il y a un des stagiaires qui a juste posté un truc dans le fil de discussion en disant « Voilà, j'ai trouvé un vortex énorme, il y a une île sur un lac, sur une île, sur un lac, sur une île. » Et c'est aux Philippines. Donc on était sur Google Maps, voir ça de plus près, voir comment en zoomant, dézoomant, on pouvait rendre compte des différents degrés de vortex. Et ça a été tout de suite une évidence d'aller là-bas, en fait. Et de là, on se retrouve à nager dans un lac volcanique, du coup, où l'eau est à littéralement 30 degrés parce que c'est chauffé par la lave, quoi. Ok, mon gars. Ça marche. C'est bon, ça marche. L'idée fonctionne. Alors, une fois arrivé sur place, déjà, il faut dire qu'on était content d'y être. C'est-à-dire que être sur place, c'était déjà un honneur. C'est comme si... je pouvais aujourd'hui me mettre dans une poupée russe. On arrive sur cette île qui en fait est mais 15 fois plus grande que ce qu'on pensait. C'est pas grand. Hein. Et là du coup on fait une ascension quoi, pratiquement verticale, en s'accrochant à des branches. Et là on a cherché l'emplacement idéal pour venir construire notre lac théorique, notre mini lac, le lac qu'on allait donc ajouter à cette séquence spatiale. De lac et d'île. Yeah. Bon, c'est une petite surface, hein. On est un peu serré là-haut. c'est là que ça se passe. La surface est beaucoup plus petite que ce qu'on pensait. Le territoire habitable de l'île, c'est pas énorme. Ouais, c'est hostile à part ici, quoi. Je crois qu'on est au centre du vortex, juste là, par terre. Et on n'a pas trouvé de lac. Il y avait quand même une infime chance. On a acheté un bol en terre et on l'a, grâce à ce bol, on l'a enterré en fait. Et ça nous a permis de faire une espèce de petit lac. Voilà. Stylé, hein. Voilà, c'est bien ça. On va procéder. Oh putain, il y a un lac. Voilà. Ok. Bien, mission accomplie, hein. Ouais. Fin d'expérience. Je pense que cette expérience, elle n'a pas vraiment d'intérêt sur le plan de la recherche du vortex purement théorique. Par contre, je pense qu'elle va avoir une incidence sur la recherche de plusieurs façons. On s'est rendu compte à travers cette expérience qu'en fait, c'était possible avec nos moyens d'aller à l'autre bout du monde pour soit assister à des vortex, soit interagir avec des vortex existants, comme ce qu'on a fait sur le lac Taal. Nous, on a décidé d'étudier le vortex d'une façon plus professionnelle. On a trouvé une question. Et puis, en fait, on essaie d'y répondre et c'est tout, quoi. Alors, ce qui est intéressant avec la recherche sur le vortex, c'est qu'elle nous oblige à développer des facultés, une subtilité, une lucidité quant au mouvement des choses qui nous entourent, des événements qui nous arrivent. Et finalement, toutes ces facultés, cette lucidité et ces facultés, on peut les utiliser en dehors de la recherche sur le vortex. Ce qui m'a fait voir les choses différemment, c'est de se rendre compte que donner du temps comme ça pour un projet qui ne sait pas trop où aller, et ça reste constructif.
Si les gens constatent le résultat de nos constats, je pense qu'ils auront déjà une expérience du vortex. Pourquoi la recherche du vortex? Déjà pour savoir ce que c'est exactement le vortex, tu vois. Ça se trouve, après l'interprétation des expériences, on dira non, on ne peut plus utiliser ce mot pour dire ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a des gens qui me disent que la recherche du vortex ne mène nulle part. Bon, bah, moi, je pense que ça vient d'une confusion tout à fait légitime, hein, entre la recherche du vortex et le vortex lui-même. Parce que si on parle de vortex, bah, effectivement, ça mène nulle part. C'est le serpent qui se mord la queue. En fait, ça tourne en rond. Hein. Mais la recherche sur le vortex, elle mène à la connaissance du vortex. Et plus on connaîtra ce phénomène fallacieux, moins on sera dupe de lui. Et plus on sera capable de vivre librement et de ne pas subir ce que nous-mêmes provoquons, finalement. Je dis ça, je parle individuellement, tout comme collectivement. Donc cette nouvelle science du vortex, finalement, c'est un peu l'art d'arrêter de scier la branche sur laquelle on est assis. Avec à l'horizon l'espoir d'une civilisation qui soit capable de se respecter elle-même davantage. Ça, ce serait bien, hein.